forever. Let's do King Julian style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Ark Evolved Survival pour notre 29e épisode. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas passé sur le jeu. Alors on a enfin fini notre petit enclos, du moins nos murs sur les côtés pour eh bien que nos animaux puissent circuler tranquillement sans se faire attaquer, en espérant qu'ils aillent pas trop près de l'eau et qu'il n'y ait pas non plus les scarabées volants qui viennent leur bouffer le cucu. Ce qui serait peut-être pas mal, je me tâtais justement à essayer d'aller chercher le Diplodocus qui est là-bas, qui vient d'apparaître, ou de taper du gros bestiau histoire de de renforcer un petit peu notre petite collection ou notre biodiversité animale au sein de notre petite maisonnette. On va essayer de se faire ça. Alors je vais relancer une petite session puisque j'ai fait passer la nuit justement pour qu'on puisse commencer en plein jour, et je me suis refait aussi quelques petites flèches tranquillisantes. J'espère que ça devrait aller. Mais avant de partir comme ça, on va essayer de s'équiper correctement. Et puis on va se diriger vers notre petit atelier qui nous attend. Donc, petite ellipse, je relance et on se retrouve ici. Ok, mur, me revoici, me revoilà. Alors, on devait aller à la table de craft. Alors, le truc, c'est que j'avais chopé quelques engrammes là pour me faire incessamment sous peu quelques petits crafts. D'ailleurs, j'avais appris ça et malheureusement, le polymère organique, je n'en ai point. Mais par contre, on va peut-être pouvoir se faire le revolver ainsi que les petites munitions. Je pourrais aussi m'apprendre l'armure en chitine. On va la prendre. C'est pas celle que je vais forcément faire aujourd'hui. Même le fertilisant, je pourrais le faire. Au final, j'ai quasiment toutes les ressources nécessaires pour fertiliser un petit peu ma terre. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour. Ouais, accepter d'apprendre les engrammes. Ouais, on a assez de points. Le fusil à canoncier, pour le moment, je vais pas trop le faire. La cartouchière non plus. J'ai vu pour le fusil long, alors ça c'est pour aller sous l'eau et faire glou glou, mais pour le moment je vous avoue que je tiens pas trop forcément à y aller. Et j'avais vu pour le fusil long, mais il y a certains, je crois que pareil il faut du polymère, j'en ai pas. Pistolet semi-automatique. Ouais pareil, là, il y a du polymère, il faut du polymère, j'ai pas. Alors par contre ça, on peut le faire, j'ai les ressources nécessaires, donc on va faire une jolie armure en métal. Et je vais aussi apprendre le casque, mais par contre je vais pas le crafter parce que j'en ai déjà un. Et puis ma foi c'est plutôt bon. Même la hache, hein. Enfin la tronçonneuse m'aurait fait plaisir, mais pareil il faut du polymère. Je pourrais apprendre et je pourrais commencer aussi à me faire quelques circuits, circuits imprimés en vue de faire un générateur électrique. Parce que pour le générateur les ressources, je crois que d'ailleurs c'est un peu plus haut, je suis descendu peut-être un petit peu bas. Ouais, c'est au-dessus. Donc on va remonter. La fléchette tranquillisante, ce serait pas mal aussi. À utiliser dans un fusil à canon long, non équipé d'un accessoire. Il faut une balle de fusil, lingot de métal et un narco. Ça, ce serait peut-être pas mal. De toute façon, pour le moment, on est encore à l'arc. Ça viendra sûrement. Pareil pour ça, faut chaque chose en son temps, j'ai envie de vous dire. Gourde en polymère. Normalement j'ai le générateur qui est pas très loin dans le coin. Voilà, il est là. Donc il faudrait 10 plaques électroniques. Et pour les faire, il faut des perles de silice et du lingot de métal. Donc je peux déjà au moins peut-être m'apprendre les plans. Comme ça c'est fait. Sachant que ça, je sais pas combien je vais pouvoir en faire. Je sais pas combien de perles j'ai, mais j'en ai quelques-unes. Donc à voir. Faudra de toute façon commencer à apprendre à les faire. Et peut-être que ça nous filera de l'expérience. Donc voilà. Grenade empoisonnée, ça demande pas mal de ressources et du cristal, donc je préfère éviter parce que le cristal, j'en ai pas non plus des masses. Je suis pas sûr de me faire aussi un bouclier. À voir. L'extracteur de sève, ça pourrait être sympa, mais il faut pas mal de lingots en métal et je sais pas combien j'en ai, je crois que j'en ai 900 et quelques. Non, j'en ai 300. J'en ai 300, donc faudrait peut-être d'abord que j'y refarmé sur mon... c'est ici d'ailleurs qu'il faut que j'aille. Ouais, il faudrait d'abord que j'aille refarmer un petit peu de métal. Mais vu que dans le coin, il n'y en a plus forcément des masses, il va falloir peut-être aller un peu plus loin. Donc pour en revenir, alors, je vais pas me faire la combi en cuir. On va faire celle en métal. J'ai réappris justement aussi
Canne à pêche, armoire de conservation et compagnie, parce que c'était plus. C'était plus appris justement. Et alors le fusil, je sais pas où il est. J'aimerais bien le gauler. L'épée, j'en ai, mais je vais quand même la prendre. Si jamais je suis amené à devoir en refaire. Lance de joute, je sais pas ce que ça peut donner. Déjà, on va se faire un fusil à canon, non, il est là. Donc pareil, il faut 95 lingots. La lunette de visée, je suppose que... Ouais, 20 cristal. Et là, je vais apprendre ça aussi. Pas sûr de faire celui-ci pour le moment. On va voir. Et il va falloir que je trouve la chitine, là. Protection des dégâts modérés. Légère protection contre le froid. Je l'aurais bien faite. Mais j'aurais bien voulu, pour tamer nos bestiaux, qu'on se fasse la combi... justement, qui est juste au-dessus, ici. Mais il faut que j'arrive à trouver du polymère organique. À la base, je pensais que c'était... j'ai cru confondre avec ça, mais en fait, là, c'est de la toxine que j'ai, et donc ça va pas être possible. Donc, on va aller dans armure, en métal. Donc, vu que je l'ai appris, ça, normalement, on peut le faire. Je vais faire ça aussi. Et le pantalon. Pendant que ça se fait, je vais me choper mon casque. Je sais pas s'il est stocké ici. Au pire des cas, j'aurai aussi ma petite chitine. Si jamais je veux me refaire des petites armures. Donc le casque, il est là, on va l'embarquer. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Il faudrait que je pose aussi mes lanternes dehors. Donc ça, c'est fait, je vais le transférer. On va partir avec. Maintenant, au niveau des armes. Armure. Je sais pas si... Ciment. Des menottes. Je m'en fous de tes menottes. Pourquoi ils m'ont mis ça dans le bouclier? Si je fais bouclier. Je vois pas dans en grammes. Bouclier en métal. C'est dans l'équipement. Ok. Et par contre, faudrait du ciment. Faudrait 20 ciments. Je crois que j'en ai fait du ciment ici. Matériaux, là c'est du pétrole. Donc, ouais, j'ai quelques perles de silice. Là j'ai le ciment. Alors j'ai peut-être, si j'en ai 8. Là, il me faut quoi? Il me faut de la kératine et des pierres. J'ai plus de pierres, faudrait que je me refoute des pierres ici et qu'on se refasse du ciment. Sachant aussi que je voulais voir un truc. Bon là c'est mes baies, je m'en fous un peu. Mais si je viens ici, j'ai pas mal de patates. J'aurais pas voulu tout transférer, je vais en prendre quelques-unes. On va voir si on peut se concocter quelques petits plats. Je vais en prendre 20. Ou peut-être même des remèdes. Pareil ici, j'ai du citron à tout va. J'en ai plus que 18. Je vais tout prendre terre. Quand je me suis connecté, j'en avais plus. Le pied, il était immense. Ils ont dû tous dépérir. Pareil là. Je sais pas s'ils ont clamsé entre-temps ou quoi aux caisses. Mais ouais. Par contre, des carottes, j'en ai encore pas mal. Je peux peut-être m'en manger une comme ça, histoire d'eux. Et je vais en choper une vingtaine également. Et je sais pas si on pourra se faire des petits plats avec ou quoi aux caisses. Mais je sais qu'il y a des recettes ici, là, pour... Je crois que c'est pour faire de la citronnelle. Médecine. Donc, citron et carotte. Ouais, pour faire répulsif à insectes. Donc au pire des cas, je vais transférer ça ici. Et j'ai plus de place. Je vais embarquer un peu de charbon. Et je vais foutre mes citrons. Comme ça, on va pouvoir apprendre à se faire ça. Si je peux en faire 4, je vais en faire 4. Donc là, on a toujours notre stimulant et notre narcotique. Ça, j'ai dû le réapprendre. Mais par contre, il manque toujours les sangsues ou les cornes. Et des champignons rares. Donc ça se trouve, faut essayer de trouver des espèces qui, justement... nous donnerait la possibilité de pouvoir leur choper des cornes. Triceratops, je sais pas si en le tuant on peut, mais on va éviter. Soufre et cactus, j'ai toujours pas. Sel de conservation, j'ai toujours pas trouvé de sel brut et de soufre, donc ça va être un peu compliqué. Je sais pas si c'est dans un biome spécifique, faudra essayer de voir. Et là, normalement, j'ai un peu de poudre à canon. J'en ai 100, donc je vais l'embarquer. D'ailleurs, ce qui serait peut-être bien, je sais pas si je vais être plus lourd. On va se mettre tout ça. Voilà, on est plutôt beau. Bouclier, j'ai pas pour le moment. Et je vais essayer de me déposer. Je sais pas si là je vais avoir la place. Au pire des cas, il faudrait peut-être que j'envisage aussi de me remonter
une armoire. Je vais me déposer ça ici et j'ai plus de place. Ah, ça va être un peu compliqué. Je vais voir dans l'armoire d'à côté ou alors faut que je fasse du rangement. Parce que c'est un peu le bazar. Je vais essayer d'embarquer mes fibres et d'aller les foutre de l'autre côté. Et je vais déposer ça ici. Ok, j'ai retransféré quelques petites pierres à côté. J'ai pris tout ça, je vais le balancer ici. Ainsi que mes petites perles. Je vais mettre mes poudres à canon, mes pots. J'ai oublié de déposer mon pantalon par contre. Je vais mettre ça là. Et je verrai ce que je peux faire de mes patates. Je sais pas si je peux en faire cuire comme ça. T'es sérieux? Je veux pas que tu me les mettes en raccourci. Diviser une seule. Je peux pas les foutre dedans. Ok. Est-ce que je peux les foutre dans ma marmite? Ouais. Maintenant, l'objectif, ce serait de voir si je peux pas faire cuire ma patate comme ça. Ah, j'ai plus beaucoup de bois non plus. Je vais en prendre 10 morceaux. À voir que je retourne farmer. Hein. Vu tout ce que j'ai dépensé à construire mes murs. Je vous avoue. Voilà. Et par contre, ma patate, je sais pas où elle est passée là. Vous êtes sérieux ou quoi, les jeunes? Transférer. Diviser une. Voilà, je vais la remettre ici, on verra bien. Il faudrait que je re-remplisse mes petites gourdasses. Donc on va voir pour se faire notre petite arme maintenant. Pas l'armure, mais les armes. Commune. Je sais pas si c'est dans commun. Mêlée. Ouais, donc là c'est le... C'est l'épée. Accessoire. Silencieux, j'en ai un. Là, j'ai pas appris le plan, mais j'en ai un aussi avec moi. Donc l'arme à feu, celui-là on l'a appris, je vais le faire. Et pour les munitions, je sais pas où ça va être. A priori, je pourrais aussi... arme. Accessoire. Non, c'est encore à côté. Arme à feu. Je pourrais me la faire. Je vais la faire. Mais je vais pas l'emmener. Parce que si je les perds toutes, c'est pas la peine. Les ciseaux, on les a. Les explosifs, j'ai pas encore appris. Les munitions maintenant. Ok, je sais pas. Ouais, bah je vais en faire... si je peux en faire que 16... Ah ouais, va falloir utiliser ça de façon assez ordonnée. Boulasse en chaîne métallique. Vous imaginez tout ce qu'il va falloir apprendre aussi après là. Flèche tranquillisante en fonte. Flèche tranquillisante. Le grappin qu'on peut peut-être équiper sur un pistolet et se l'éjecter pour monter. J'ai vu qu'on pouvait se faire aussi des piolets. Et donc là, il me manquerait de la poudre à canon. Je sais pas si je peux en refaire un peu de la poudre à canon là. Ce qui serait plutôt pas mal. Il me faut de la poudre étincelle. Vas-y, fais-moi de la poudre étincelle. Ok, j'en ai déjà pris 12. Comme ça, ce sera fait. Donc là, munitions. Diverses. Non, c'était pas là. Armes. Explosifs, munitions, mêlées. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ah, bah là, ils nous remettent tous les piolets et compagnie. Ah, la lance en métal aussi que je pourrais me faire. Ce qui serait peut-être pas mal et qui changerait de notre bazar. Et là, il y a le harpon que j'ai pas appris. Mais ça, on l'a aussi. Avec des flèches en pierre, l'arbalète. Donc, munitions. Poudre à canon 6. Ouais, ok. Bah écoutez, c'est reparti. Donc là, 2. Je sais pas combien il va m'en rester. Il m'en manquerait 2 alors. Ah, parfait, bah écoutez, ouais, je vais faire tout le reste. Sûrement qu'on en aura encore besoin. Donc ça, je vais le transférer. Et normalement, si tout va bien, je peux encore en faire une petite série. Et une seule. Je sais pas combien ça va m'en faire au total. Ouais, 38. Ok, bon, je pense que ça devrait aller pour un premier jet. Et je vais prendre ceci. Celle-là, on a dit qu'on l'a laissée là. On va être équipé d'une belle petite épée. Je vais peut-être ranger ça ici. J'en aurais peut-être pas forcément besoin. Voilà. Voyons voir. Ok, j'espère que ça va faire des dégâts. Parce que là, regardez-moi ça comme on n'est pas beau avec notre belle petite armure. Je crois que c'est K, ouais, pour passer devant. Hop, hop, hop.
Oh les mains, peau de lapin. J'ai l'impression de ressembler à un Uruk-hai dans le Seigneur des Anneaux. En tout cas, c'est parti. On est équipé. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite sauvegarde. Alors par contre, l'épée, ouais, je sais pas ce que ça donne. On est 3. Alors, on verra bien ce que ça donne. Ah bon, bref, maintenant qu'on est suréquipé, on va peut-être pouvoir y aller. Et j'ai mes petites patates pour si jamais j'ai besoin de manger. Alors de la vie, peut-être pas. Je pense que j'en ai peut-être plutôt pas mal. J'aurais peut-être pris un peu de résistance. Et puis, bah, prochain point, on mettra. Je mettrai, ouais, de la force en attaque. Alors j'espère que ma belle petite armure va pas rouiller. Donc on va se faire un pouf dans l'eau. Et puis, bah, on va essayer de se tamer un petit Diplodocus ou je sais pas quoi là. Et le reste. Et je verrai pour faire la selle. Alors par contre, la question que je me posais, c'est est-ce que ma porte sera assez grande pour accueillir sa petite tête? Parce qu'ils m'ont l'air bien bien grands. Donc c'est parti et on verra si on résiste un peu plus face au danger. Normalement, je suis censé encaisser plus les dégâts. Donc au pire des cas, je peux essayer de voir. Enfin, je voulais essayer de voir avec un scarabée volant. Mais s'il m'endort et que je meurs, c'est pas la peine. Donc bon, j'espère aussi que mes animaux vont pas mourir. Ce qui serait fort dommage. Donc on va foncer par ici. D'ailleurs, je sais pas si j'ai essayé du bazar ici. Faudrait que je passe tantôt pour voir. Ah voilà, j'ai que des fibres et du silex. Et là, ouais, j'ai un morceau de porte. Ok, c'est parti, on va essayer de se trouver une bête. Et franchement, je sais pas si... Ça se ferme. Ouais, je sais pas si je vais réussir à lui mettre une flèche dans la tête, franchement. Je vais peut-être commencer avec ça là. Comme ça, si je trouve un scarabée volant dans le coin. Ah bah là. Ah, par contre, je me déplace pas vite. Ok. En plus, t'as un niveau 28. Par contre, ce qui serait peut-être bien, c'est que je garde au moins ça derrière. Pour si jamais je dois ensuite récolter mes petites ressources. Ah, comme ça me fera des perles et de la chitine. Ok, c'est cool. C'est plutôt cool, c'est que comme ça, ouais, justement, bah, ça me permettra de faire mes premiers circuits électroniques. Et de m'installer peut-être un générateur, ce qui sera peut-être mieux. Que d'être éclairé au feu de bois si après je peux me mettre des loupiottes et tout. Alors par contre pour tamer le diplo là. Je sais pas ce que ça a donné. Je sais pas s'il faudrait plus que je me mette en hauteur pour viser sa tête. Ou de rester en bas. Je sais pas du tout. Par contre faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas l'autre excité d'alpha là. Ou qu'il y ait une saloperie qu'on n'a pas envie de se taper comme ça là. Ah, je vais pas regâcher des munitions, je vais y aller comme ceci. Je préfère garder mes munitions contre des gros prédateurs. Attends, t'es sérieux, tu meurs pas là? Ah ouais, quand même, merci bien les jeunes. Ah merde, par contre là je fais dodo. Ah, j'espère que... J'aurais peut-être dû prendre des narcos et des stimulants avec moi. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Et puis il faudrait pas que je meure à un endroit où je peux pas récupérer mon armure parce que sinon je vais être dans le caca. Déjà que j'ai fait une économie sur le casque, c'est une bonne chose. Mais il va falloir refarmer un petit peu de minerai. Bah écoutez, dès que j'ai fini mon roupillon, on se retrouve. Ok, nous voici debout, c'est bon. Je vais pouvoir me taper ça et repasser en vue de première personne. Ah ouais, parce qu'il est là le bestiau, mais faut que je me trouve une issue de secours, quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que là, je sais pas si franchement je vais réussir à l'endormir. Ah, et puis en plus là, je viens de le louper. Je viens de le louper, il m'en reste 31. Ah, c'est un peu tendu, j'ai envie de vous dire. Surtout s'il me fouette avec sa queue. Ah, ça va être chaud, 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 chaud.
Faut que je fasse gaffe qu'au bord de l'eau il n'y ait pas d'autres saloperies. J'espère que ça va le faire. Je crois que là il y a un peu de métal en plus. Je suis peut-être un peu loin là. Ouais, je viens de déféquer. Ça me fait flipper les jeunes. Bon, c'est encore un herbivore. Faudra qu'on songe à se taper du. Je vais peut-être courir. Je suis peut-être un peu près là. Allez, vas-y, cours, mon gros. Ok. Ah, y en a pas mal là dans le coin. Bon, moi, comme ça, je pourrais me faire des armures en chitine. Mais j'aimerais bien récupérer du polymère. Du polymère organique. Normalement, j'ai une petite flèche qui trône là. Ouais, voilà, parfait, je l'ai récupéré. Bon, là, ça a l'air d'aller. Il s'agirait de taper la bête. En plus, je crois que l'alpha, il est plus là. Donc, si tu pouvais me montrer ta tête, ce serait sympa. J'y vais monter par ici. Ah, putain, c'est pas vrai, je passe juste en dessous. Non, mais c'est une blague. Je vais y aller comme ça. Non, attendez, je peux pas lui mettre dans la tête ou c'est quoi? Ah, là, il est énervé. Ah, merde. Vas-y, fais dodo. Ah, merde. Ah, c'est chaud à viser la tête, là. Ah, je vais me décaler. Et je vais redescendre même. Ouais, parce que lui aussi il redescend. Ah, dites-moi qu'il est bientôt en train de faire dodo là. Ah, je le loupe. Allez, vas-y, endors-toi, mon gros. Ah, le mur. Ah, je crois que la nuit elle est en train de tomber en plus. Ah là, je lui ai mis en pleine tronche. Enfin, dans le coup, mais bon. Ah, la tête elle est invisible. Il y a des parties de son cou où ça touche pas. Vas-y, endors-toi, mon gros. Je sais pas combien faut lui en mettre là, mais ah, puis si je suis coincé dans le noir. Ah ouais. Ah bon, déjà je résiste un peu plus au coup, parce que là il y a longtemps que je serais mort si j'ai pas mon armure sur moi. Vas-y, endors-toi. Oh merde. Bon, serait bien qu'ils finissent pas par mourir quand même. Ah, je crois que je me suis fait bouffer par Ah mince, non. On croit qu'il y a l'autre qui va s'énerver, alors peut-être qu'il va se faire piquer. Ah, oh, vas-y. Oh, c'est chaud, je vais me faire starter là. Ce serait bien que le Diplodocus le défonce. Qui finissent par s'endormir à côté de moi. Bon bah écoutez, je vais gentiment mourir et puis bah on se retrouve à mon réveil. Je sais pas d'où il sort celui-là par contre. Ok, il m'a fracassé mes gantelets, cet enfoiré. Ok, mur. J'ai respawn au mauvais endroit et je vois l'alpha au bout. Je crois que je vais devoir remourir à repasser de l'autre côté. Parce qu'en plus j'ai plus d'énergie, donc là ça va être un peu compliqué. Et je vais quand même essayer de tenter de passer, on verra bien.
Après, j'espère que ça va pas l'attirer là où j'étais en train de taper l'autre zinzouin. Ok, je vais essayer de me faire une traversée aquatique. Ok, les gènes, c'est passé. Il est là-bas. Je sais pas, j'ai croisé un truc dans l'eau. J'espère que c'était pas un autre scarabée volant. J'arrive pas à retenir leur nom. Et j'aimerais bien ne pas retomber sur l'autre. Parce que là, ça va être un peu complicados. Mon corps est là-bas. Mon diplodocus est ici. Mais la mouche volante, là, je ne sais point du tout où elle se promène. Ce qui va s'avérer un peu chaud. Surtout si elle trône près de mon sac. Alors c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eu de courir de ce côté. J'espère qu'elle est pas là. Ah, elle est là. Ok. Faudrait limite que je passe de l'autre côté. Mais toi, tu veux pas dormir là, s'il te plaît? J'espère qu'il est pas en train de se planter. Ok, je vais essayer de longer par là. Ça va être un peu tendu, les jeunes. Allez, vas-y, ouvre-moi la porte et ferme-la surtout. Faudra vraiment que je pense à mettre des petits tronçons de mur là, histoire de faire une muraille et de pouvoir monter. Faudra que j'installe des escaliers avec des passerelles. Parce que là, au final, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, je sais même pas si je vais réussir à pouvoir récupérer mon stuff et faudrait pas que la saloperie passe par en dessous. Ce qui va s'avérer un peu compliqué. Et j'aimerais pas que mon sac dépop d'ici peu. Écoutez, je fais passer la nuit là et on se retrouve au petit matin. Ok, les murs. Malheureusement, j'ai ouvert la porte, curieux comme je suis. Je me suis fait une petite torche pour aller voir ce qui se promenait de l'autre côté. Cette saleté est rentrée dans ma petite base et j'ai activé mes petits animaux là pour qu'il y en ait qui sont en mode tourelle. Je sais pas où il est passé. J'aimerais bien le charger avec mon triceratops. Tant pis s'il fait dodo. Mais faut que j'arrive à remettre la main dessus avant qu'il tue tout le monde. Donc je sais pas où il était en train de me pourchasser. Je vais éviter de gâcher toute l'énergie que j'ai avec la mémère là, que je puisse charger dessus et lui mettre des coups. Je sais pas ce que ça a donné. Normalement j'en ai qui patrouillent avec moi là, mais je sais pas où ils sont passés. Ce serait bien c'est que j'arrive à lui remettre la main dessus. Normalement le jour va pas tarder à se lever. Ce qui sera en soi aussi une... Ah bah il est là. Ah, vas-y, sauve-toi. Je sais pas où ils sont les autres là. Vas-y, fais une petite marche arrière là. Ouais, voilà, éjecte-le comme ça. Ah, peut-être qu'on va s'en sortir. Je vais y aller en marche arrière. Ah, merci bien, comme ça au moins là il me touche pas. Et je vais peut-être finir par le dézinguer. Ah, yes! Triceratops niveau 22 a tué cette saloperie. Ok, donc elle est là. Donc déjà, je vais peut-être pouvoir aller rechercher mon sac. Vas-y, laisse-moi tranquille, toi. Je peux pas la farmer. Donc, je vais aller chercher mon stuff. Et on va la dépiauter. Et on essaiera de retaper notre diplodocus au petit matin. En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient repointés entre-temps. À pire des cas, je vais aller réparer mes gantelets. Je vais me dépêcher de prendre ça, là. Inventaire, ouais, tout prendre. Vas-y, mène-toi. Non, mais ouvre-moi pas ça maintenant. Déjà, en plus, je voulais essayer de fermer la porte. J'ai pas réussi à appuyer sur E. Ça m'a mis la tête dans le sol. Ok, c'est parti. Ah, peut-être que déjà, je suis pas obligé de rester tout nu. Et je vais me remettre ça. Ah, il m'a bien dézingué mes gantelets. Toi, je te jarte. Et je sais pas si. Ah, j'aurai quelques petits lingots en bas pour réparer tout ça. On va aller voir, vu que j'ai un établi en bas. Je pense que ça peut être pas mal.
d'aller jeter un petit coup d'œil avant de me lancer à l'aventure en haut. Alors par contre les autres en mode tourelle, j'aurais demandé aussi de me suivre, mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Je sais pas si je peux activer et le mode tourelle et le fait qu'ils me suivent. D'ailleurs ce qui serait peut-être bien c'est que je regarde s'il y a encore à manger là. Ouais, ils ont encore de la viande. Normalement ils ont encore des nutriments sur eux également. Ouais, merci pour ton aide toi. C'est pas possible. En plus j'ai des levels à leur faire prendre. On va qu'on fasse ça tantôt. Est-ce que j'ai un peu de métal? Ouais, j'ai un peu de métal. Dis-moi qu'il y en a assez pour réparer ça. Ouais, parfait. Je sais pas combien il en faut. Il en faut 3. Ok, nickel. Je vais juste réparer ça. Et par contre, voilà, j'ai pas mal de chitine. Donc à la rigueur, je pourrais peut-être me faire aussi une armure en chitine, histoire de. Donc là, on va remettre ça. Et je vais aussi stocker la chitine que j'ai ramassée depuis tout à l'heure. Ainsi que mes petites perles. D'ailleurs, faudrait essayer de. Putain, il me reste plus que ça en patate. Ouais, j'ai pas mal de perles ici. Hein. Faudrait que je les rapatrie aussi en haut. Histoire de. Et puis, bah écoutez, ma foi, voilà, je vais déposer aussi mon bois. Ouais, bah écoutez, j'attends que le jour se lève. Et on va essayer de retourner taper notre ami. Ne me dites pas que j'ai qu'une seule flèche par contre là. C'est quoi ce délire? Non mais j'ai plus de flèches tranquillisantes. Non, j'ai pas tout dépensé quand même. Dites pas qu'il me reste plus qu'une. Ah, va falloir que je m'en recrafte. Et je crois que j'ai pas les ressources pour. Ok, bon j'ai compris, faut que je retourne à la maison. Ok, mur, le petit jour est là. Alors malheureusement, je me suis un peu vautré, j'ai loupé la marche. Et j'ai ce monsieur là, je crois que c'est un monsieur, j'espère. Non, c'est une femelle encore. Ah, qui était coincée là-haut, qui a essayé de me charger a priori, je sais pas quoi. Peut-être qu'on était en très mauvais... En très mauvais terme. Mais a priori, ça s'est arrangé. Et je vais en profiter pour taper cette saloperie. Sachant que mes items commencent à être un petit peu en vrac. Donc je me dépêche de remonter sans louper la marche. Je me refais des flèches narcotiques. Ou psychotrap. Ou tout ce que vous voulez. Et puis on retourne essayer de se taper l'autre bestiau. Parce que bon, je lui ai pas mis tout ça dans la tronche pour rien quand même. Pire, c'est qu'il fait toujours pas dodo. Ok, mur, comme ça suffisait pas. J'étais venu ici pour essayer de trouver un petit peu de minerai. Et de métal à farmer. Et je suis recoincé. Va falloir que je m'épuise. Et que je me tue. Parce que je peux pas. Je peux tout simplement même pas sauter. Même si je décharge mon inventaire. Vu que niveau énergie. Énergie, ouais, bah ça remonte pas. Vu que je l'évite dans les airs depuis tout à l'heure. Ce qui est un peu contraignant. Donc bon, bah écoutez, je vais me laisser mourir. Je vais essayer de venir récupérer mon stuff. Sans retomber dans cette faille. Et puis ben, on va retourner à la maison se crafter nos flèches. Ce serait peut-être bien, c'est qu'on arrive à avoir un peu plus de chance. Attends, il va que je pionce. Ah, ok, les murs. Ah, pas besoin de redémarrer le jeu. Ah, le fait de m'être réveillé en sursaut, ça m'a. Ah, putain, me faites pas recoincer, s'il vous plaît. Ouais, ça m'a. Ah non, merde, faut pas. Je croyais que j'avais appuyé sur K, mais en fait, c'est bon. Ah, ok, je vais partir par là. Je suis un petit peu surchargé vu que j'ai tapé pas mal de caillasses au final, sans pour autant pouvoir choper du minerai. Donc je vais me rendre à la maison et on va enfin se faire nos flèches. Ok, mur, me voici, me voilà, enfin. Je vais déposer quelques pierres ici vu qu'il m'en manquait. Voilà, et vu que j'ai besoin de passer ici de toute façon pour avoir à me faire du narco là. Ah, j'ai des petites baies, donc c'est bon. Ouais, bon, je peux pas en faire beaucoup. Je vais choper ça déjà. On va se balancer des flèches. Ouais, je vais pouvoir en refaire 15. Ah, d'ailleurs, pour faire des flèches tout court, c'est peut-être bien aussi que j'en refasse. Il me faut du branchage. Ah, ok, j'ai pas du branchage. Je traînerai à côté, s'il vous plaît, messieurs, dames. Non. Bon, déjà, je peux me déplacer un peu plus vite. Voilà, je vais embarquer ça. Ok, branchage. 18. Je sais pas combien ça va m'en faire au total. Ouais. Ça va m'en faire pas mal, une petite soixantaine. Ah, par contre, ouais, il me refaut des narcos là.
Et je sais pas si je vais avoir de quoi en faire assez, hein, sinon va falloir que j'y retaper des plantes. Je sais pas si avec ça je vais pouvoir au moins en faire une. Bah je peux en faire 4. Ok. Ah ouais, consommable médical. Ah, des baies. Faut que j'aille farmer des baies parce que j'en ai plus des masses. Je vais déposer mes perles ici. Ah, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être même pas là qu'il faut que je les dépose. J'en aurais peut-être besoin ici. En attendant, je vais les mettre là. Ce qui me semble peut-être plus important si je veux commencer à faire tout ce qui est électrique. Je vais déposer mes graines et tout. D'ailleurs, vu que j'ai un peu de minerai, je sais pas si ça va. À deux, je peux faire un lingot. Voilà, je vais mettre ça aussi avec. Bon, écoutez, je me décharge rapidement. Et puis on retourne essayer de tamer Monsieur Diplodocus, mais je suis pas sûr qu'avec mes 19 flèches ça va suffire. On verra bien. Ok messieurs dames, je me suis débarrassé de tout ce que je pouvais. Putain, il serait juste là. Hein. À la rigueur, j'ai envie de dire, est-ce que je pourrais essayer de le taper d'ici? Franchement, je sais pas. De toute façon, si je descends sur le rebord, c'est le truc, c'est qu'il faut que j'arrive après à pouffer dans l'eau. Ou à éviter de tomber comme ça. Ah, je vais mourir. Ah putain, c'était limite. Ok, j'ai les os qui sont pétés. Il va falloir que je mange un bout. Ah là, s'il me met une tatane, je meurs. Je vais m'ouvrir la porte. Je vais éviter de taper les flèches comme ça. Enfin, je vais éviter de taper dans le vide aussi. Est-ce qu'il rentrerait pas dans la maison directement? Comme ça, on sera peut-être tranquille. Et après, j'aurai limite plus qu'une. Ouais, qu'une selle à lui faire. Je me demande s'il est pas en train de s'endormir là. Hein. Faudrait que j'arrive à viser sa tête direct. Ah putain, fais pas ça. Ah, faut quand même que je fasse gaffe parce que j'ai plus de vie. Charbon niveau dodo a été tué. Non, j'ai mon dodo charbon qui est mort. J'espère que c'est pas lui qui vient de me le tuer. J'ai peut-être fait une bêtise en l'amenant ici. Ah là, je lui ai mis en pleine tronche. Ah putain, j'ai plus d'arc. Ok. Ah, faut que je fonce là-bas pour aller réparer. Je sais pas si je vais avoir le temps. J'espère qu'il va pas me tuer tout le monde non plus. À moins que je lui mette après des bastos, mais et je suis même pas sûr de pouvoir réparer mon arc là. Ah, mets-moi ça là-dedans. Réparer. Je vais mourir, les jeunes. Ah ouais, ah c'est chaud. Ah, il m'a pété les jambes. Ah, il me reste 3 flèches en plus. Vas-y. Ouais, vas-y, recule-moi avec ton gros derrière. J'espère qu'il va pas me tuer tous mes animaux. Un dodo, ça va à la rigueur. Je peux le changer et à le récupérer. Mais les autres, je me suis saoulé à les tamer. Je sais pas si. Ah ouais, d'accord, il est en train de me les gicler. Il a pas l'air d'être très content. Et là, j'ai plus de flèches. Vas-y, endors-toi là. Ouais, je pense que messieurs, dames. Bon, je sais pas s'il est en train de faire la tronche ou quoi. Moi, je vais manger un morceau tant qu'il est là-bas. Ça va peut-être me rebooster un peu ma santé. Si j'essaie de manger des munitions, ça va être un peu compliqué. J'ai mangé ma patate avant qu'elle pourrisse. J'espère que ça va me booster un peu la santé. Après, je pourrais essayer de lui mettre des coups de massue, mais j'ai pas de massue sur moi. Vendetta, fais attention à ta santé. Ouais, je sais pas, il a la tête tordue, il a l'air de faire un peu la tronche. Et je vais essayer de la tirer par là. Ouais, je vais essayer de courir aussi.
Attention les amis. Quitte à essayer de la tirer peut-être vers l'eau. Ah, je pense que ça va être un échec cuisant. Ou alors va falloir que je fasse plus de fléchettes tranquillisantes. Parce que c'est pas avec un peu de flèches que j'ai là qu'on va s'en sortir. Ah, je crois pas en avoir par là aussi. Ah ouais, il est en train de tout me casser. Je vais peut-être éviter de le ramener par ici aussi. Ah, c'est chaud. Ah, on va le faire regagner à la sortie. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur en l'amenant ici. Après, je m'en voudrais de le tuer aussi, quoi. Ce que je voulais, moi, c'est le tamer. Et je sais pas combien de temps vont agir les flèches. Et je vais essayer de le ressortir. Bon, cette première épopée fut un échec cuisant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis, si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et survivez bien. Ah putain, me pète pas mes murs non plus. J'essaie de sortir. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, faut que je fasse gaffe derrière qu'il n'y ait pas un scarabée. Voilà, c'est un bout de bois. Je crois qu'il est coincé, qu'il peut plus sortir. J'espère qu'il va pas me défoncer mes structures. Je crois que je vais devoir le tuer. Hein. On reprendra ça une autre fois et je vais essayer de le tuer, ça me fera de la viande. Il faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.